Écoutez-moi, ici sur la terre, il y a personne qui pardonne le péché des gens. C'est seulement Jésus qui pardonne le péché. Là où vous êtes, ça c'est sa maison. Ne parlez pas à une personne. Parlez votre problème auprès de Dieu. Déclarez votre problème à Jésus. Déclarez pas celui qui est à côté de vous. Et si c'est là où Jésus habite, avec tous vos problèmes, dans tous vos problèmes, si vous croyez, Dieu pardonne vos péchés. Il va changer la tristesse en joie. Aujourd'hui, votre tristesse deviendra la joie. Il y a la guérison dans le ciel. Si vous êtes malades, si quelque sorte de maladie que vous avez, la solution est en Jésus-Christ. Ici dans ce monde, c'est pour Jésus-Christ. Amen. Cet homme était ce bien ne marchait pas. Il était sur place. Il regardait seulement Jésus. Les pharisiens étaient là. Ils ont posé la question. Il dit, comment est-ce qu'on allait guérir? Comment est-ce qu'on pardonne le péché? Jésus a dit, le Fils de l'homme peut pardonner le péché. Pourquoi il est tourné pour regarder cet homme? Il est regardé, il a regardé ce homme. Il dit, je te redonne. Alors, le mot de la vie est le mot de la vie. Quel est le mot de la vie? Le mot de la vie est le mot de la vie. Le mot de la vie est le mot de la vie. Le mot de la vie est le Écoutez bien aimé, regardez cet homme. Les gens qui murmuraient étaient là. Quand tu guéris quelle personne, il faut qu'on te roigne d'abord lui. Il faut coucher par terre pendant 7 jours. Il faut entrer 7 fois sous les pieds du prophète. Les pétitions poussent les pieds, faire des grimaces. Non, le salut n'est pas dans ce jour. Le salut sera dans le nom de Jésus. Je n'ai pas criant. Avec toute douceur. Voyez, les gens étaient nombreux. Et regardez Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus a tourné les gens. Il avait regardé celui qui était sous vous. Vous qui souffrez. Mais ceux que Jésus regarde. Il veut vous trouver dans la foi. Si vous trompe dans la foi, il va vous trouver vos péchés. Et il va vous guérir. Et c'est pour lui qui a regardé ce paralytique. Il dit je tombe, tombe. Il dit non. Il n'a pas dit. Il dit je te l'ordonne. Je t'ordonne. Aujourd'hui, Jésus est ici présent. Il vous donne l'ordre de vous mettre de l'ordre. De vous mettre de l'ordre. De vous prendre votre ordre. Et que vous soyez rentré à la maison. Dans la joie. Que les gens qui captent ce monde. Comment est-ce que cela est arrivé? Parce que c'est que Jésus dit. Les gens se tombent toujours. Et ça fait étonner les gens. Aujourd'hui, vous allez donner les gens de ce que Jésus va faire pour vous. Aujourd'hui, vous allez donner les gens à cause de ce que Jésus va faire pour vous. Les gens bloqueront Jésus à cause de toi. Et diront c'est vrai, Jésus est vivant. Si seulement vous croyez. Aujourd'hui, Jésus vous parle. Il ne vous fait plus dans la maladie. Il vous ordonne.
Faut que maladie est finie dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare aussi pour vous. Au nom de Jésus Christ. La maladie est finie. Tous les problèmes sont finis. Je suis autorité dans votre corps. Prépare. Ce petit don, vous allez vivre la même puissance de Dieu. Vous croyez seulement. Pas autre chose. Croyez seulement. Si vous croyez, vous allez vivre le miracle de Jésus. Vous allez vous mettre et vous rentrer dans la joie. Si on vous dit, on vous tiendra plus aujourd'hui. Si on vous montre les chemins, on va plus vous montrer aujourd'hui. Vous allez monter seul. Merci. Amen. Amen. Ya, 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 ya